Non, Scooby-Doo. Hein? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Maman, la maigrichonne, Scooby-Doo. Dis-nous un peu. Ce que tu fais, Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Toi, pour aujourd'hui, j'en ai fini. Maintenant, Obélix, tu es un tonneau vide qui parle trop. Les baffles sont comme ça. Quand c'est pas branché, ça parle pas. Tu vois comment on t'a pas branché, Obélix? Tonneau, hein, tonneau vide, Obélix. Quand tu n'es pas branché, il n'y a pas besoin de parler. Mais dès qu'on te branche là, tu vas parler. Ça va s'entendre jusqu'à là-bas, maman Bouboule. Hein, Scooby-Doo. Maintenant, dis-nous un peu. Quand tu t'attaques à Karine, là, c'est pas un problème, hein? Tu vois comment est-ce que tu n'es même pas vrai avec toi-même? Parce que chaque fois que tu t'attaques à Karine, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu as l'habitude de dire quoi? Que, oh non, la fille s'est attaquée à moi. Et on a salé l'autre côté. C'est le langage que tu tiens souvent. Tu es là à lui faire de la morale nuit et jour. Parce que chaque fois que tu passes sur les réseaux sociaux pour t'adresser à Karine, c'est dans le sens, c'est dans le but de lui faire de la morale. C'est depuis, ça a été scellé, depuis la création. Voilà, dans le destin de Dieu. Et salama ki ke, moutouana, akobandako drene ba foule. Et ça, le quoi Karine Mokonzi la baronne, asa leader, il y a communauté, il y a la Chine. C'est déjà un leader. Asa leader. Karine est une leader. Naïb, c'est que Asa maman est à troisième âge. Ati kabouzoba. Akola, Scooby-Doo, cola. Scooby-Doo, cola. Scooby-Doo. Maman maigrichonne, cola. Maman bouboule. Maman bafle. Les tonneaux vides, ce sont ceux qui font le bruit. Moi, ah bah branché au témoin, le bézate. Yope, cola. Cola, pardon. Tika Karine, tranquille. Cola. Et si tolembi bino kindo kinabino. Oh, bino. Oh, Isabino. Oh, Scooby-Doo. Oh, maman bouboule. Toutes ces fans-là ne peuvent pas aller le jour que, quand l'enfant viendra au monde, le jour de la naissance, c'est pas tout le monde qui aura les moyens de s'y rendre sur place. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se fait? B! Oui, Azara toujours na pointe. Beka, le grand caméraman, le grand réalisateur. Azali na montage, na caméra, pe na réalisation. Beka, pour na ba contact. Numéro ne zakawana bomo na kango na début ya émission na fin émission bato baza bandeko na poto bongi ba réalisation a bien ba fête ba retrait de deuil ba manifestation ya sorte tout bo contacter Beka Beka yewana na sima Belogne Beka le grand caméraman Beka ba remerciement non. Donc, tous abonnés, bisous toujours, c'est mon compte officiel. Vous avez information, nous sommes sur la Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Soussou, Tokobunda Nanzo Tote. Big up, fire, boom, boom, fire. A Karine Mokonzi, c'est juste un big up. Karine Mokonzi la baronne. Culturel, tout est côté politique. Donc, tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokonzi officiel. Chers abonnés de chez Mokonzi officiel, bonjour. Et c'est Ngoïsa Yanga, Yakoye Bakke, vous êtes tous branchés, scotchés devant vos téléviseurs, vos tablettes, vos écrans numériques, vos téléphones. Pour Nakolandanga, tant que vous avez une notification, Nabiso ya chez Mokonzi officiel. Naza toujours na sei na motema ndeka na esa bino chaque fois que na tele makaliboso na bino et ça la kangé sengomon boy lelo na ye awanesika hein le quoi bo mesano biska ba mesana ko yambanga et pas maman nenette hein nenette kindu motema ya saint piroge hein? Artiste moné na mboka na biso boye bien aza musicien donc ye muta yambenga na isika awa na kasavubu na sport aso sam shaba soko kaka mwana poto ye ongiolia ongiomela bien yaka awa ba 20 ya importé zali okozwa ba karaoke ya bien tous les dimanches ba saka ba karaoke ya bango awa donc et pas maman nenette kindu eh motema ya papa Saint Pierre Roger maman ya Annabelle ami le lona ya ki nesika na epona invité Scooby-Doo na Obélix Scooby-Doo te mwaza munene ye ayaki déjà mi vandela ki omoni aza ayé wana Scooby-Doo ye yo. Donc, il y a qui cause Scooby-Doo. Scooby-Doo, il y a qui est déjà là. Il y a trop. Scooby-Doo. Moussane Koloba Loba. Scooby-Doo. Si vous avez. Pardon, Obélix. Oh, Obélix, pardon. Obélix, c'est mon nom. Maman Bouboule. Moussane Koloba Loba. Elle parle trop, hein. Elle a la gueule. Si vous avez fait un peu de Scooby-Doo.
Scooby-Doo aza mukeka lokwa nga boy mais yaza maigre nga naza mince mais yaza maigre akauka ce que fonda kene kozwa e poye pas atetu mais avant que ne kozwa Scooby-Doo je remercie d'abord Karine Mokonzi la baronne hein, maman YouTube o ya pesi biso espace yo pour que tout élément tolo ba toujours to pesa bino toujours ba sango hein to pesa bino ba actualité to ya katosa ka ba analyse parce que le loto ça analyse moi ya kitoko autour ya makamka ka ezolobama pardon autour de Karine. N'a remercier Francie Miyatembo hein, depuis le Canada hein, Francie Miyatembo voilà je te fais ba big dédicace na yo papa na Annabelle pardon papa na Francesca na Adonai Lydia hein, na Pesi Bambote na nafisa moi na molinga mi malamu bangonde ba jali ko gérer le personnel ya chez Mokonzi officiel Bambote na nga na Raphaël Badiambi le big manager le big financier depuis Libreville Gabon na Estefo bambote nanga na Gloria Badiambile bambote nanga na bachino nyoso tout Tony Guerin master nanga de tous les temps de tous les jours na pesio bambote belé Xbox hein, mon doudou ouais Xbox na pesio bambote belé biska okutami depuis la Suisse bambote na ba chinois nyoso tout hein ba chinois nyoso tout ba landra biso ba obazo soutenir émission to pesi bino bambote ebele Mike Piana na kubo sanote Daniel Bangunobo sanote na pesi bambote na ba maman nyoso tout ya la Chine ba papa nyoso tout ya la Chine na ba non chinois ba obazara ba abonné ya la Chine mais baza ba abonné na chez mon compte officiel mais baza ba chinois te bino pe na pesi bino bambote ebele nazo ya bolimbise hein? Le temps na kende kozwa Scooby-Doo. Scooby-Doo a raté, tu fais que Luca est bosé. Scooby-Doo. La fille maigre. Scooby-Doo y est. Obélix y est. Obélix a le bas trop. Donc, les lots au Bengse, il faut baser à la barre. Il y a un bas qui dit mes invitations. Scooby-Doo. Au vent d'Awa, Obélix pe mama biloba loba, au vent d'A. Donc, Bekaso, vous êtes d'accord, Nanga? Scooby-Doo, viens ici. Là, toi, tu n'entends pas, hein, Scooby-Doo. Scooby-Doo, au bozo mono yo, aza, maman mamboui, maman koko. Ya, troisième âge. Ok, déjà quatrième âge. Malingi koti kavi ya Karine tranquille, t'es Scooby-Doo. Scooby-Doo, to pe ki siye makambo ya biloba loba na internet, Scooby-Doo, ayo karate. Scooby-Doo, yosko oza mouke loko langa, mais yosa maigre, nga daza mince. Pourquoi mikolonyo so Scooby-Doo, obomoni avandiawa, azara moutoumo, on dirait a perda ka la tête. Scooby-Doo, ba période moro boye, alobaka o Karine anazemite. Après Scooby-Doo, ayo kolobake Karine anazemi. Après kakaye moko Scooby-Doo, tant alobi Karine anazemi, Scooby-Doo, obomoni oyo, Scooby-Doo yo, oyo, maigrichon o, Scooby-Doo, maigrichon. Scooby-Doo oyo abandi kolobaki ote Karine denge zawana abota totala Scooby-Doo. Scooby-Doo pourquoi zo banda kindo kina internet Scooby-Doo. Na tu na yo na. Yo Obélix yo vanda nan yo loba tro. Yo totala kanosima. Scooby-Doo. Pourquoi yo na internet olingi omi bimisa lokola mutumo ozama yelete. Hein Scooby-Doo viens ici. Viens. Tu es déjà venu. Reste là. Scooby-Doo pourquoi tu aimes te faire voir sur les réseaux sociaux? Tantôt, tu aimes te faire passer pour le genre de le style de femme qui est intelligente, c'est toi qui comprends les choses, tu parles bien français, nanani, nanana, et tout. Maman, tu es une vieille femme, une vieille peau, s'il te plaît, respecte-toi. Tu sais que ce n'est pas cool de cracher hein, dans la main qui t'a servi. Parce qu'on dit ceci, on ne crache jamais dans la main qui t'a servi. Scooby-Doo, toi, ton fils, quand il avait commencé hein, à faire la musique, hein? Personne ne le connaissait. Tu vois, quand celui que tu as appelé ton mari, il n'est plus de ce monde, paix à son âme, là où il est, quand il, de son vivant, on ne connaissait pas son fils. C'est Karine qui présente son fils hein, au monde. C'est par Karine qu'on a connu ton fils. Aujourd'hui, Scooby-Doo, toi, tu prends l'audace et le culot. Tu commences à te permettre, tu te tapes ce luxe. De commencer à insulter Karine. Ah, Scooby-Doo. Scooby-Doo, vraiment. Dis-nous un peu. Est-ce que toi, tu es la personne la mieux placée pour insulter Karine? Scooby-Doo, on ne crache pas dans la main qui t'a servi. Scooby-Doo, toi, tu as eu trois gosses. Hein, Scooby-Doo? L'aîné,
il a son papa. Ton second fils, c'est celui qui chante, qui est un artiste musicien, le fils d'un musicien. Bon, du défunt musicien, paix à son âme. Nous, on respecte les morts. Ta troisième enfant, ta fille, elle est là en train de se pavaner sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Au lieu de faire de ton mieux pour que ta fille aille à l'école, Scooby-Doo, c'est quoi ton souci? Scooby-Doo, c'est quoi ton souci? Ta fille doit aller à l'école, mais on la voit là en train, tout le temps en train de s'exhiber sur TikTok, en train de faire des pas de danse, d'exhiber des pas de danse. Scooby-Doo, est-ce que vraiment, ce que ta fille fait, ce sont les histoires de son âge? Dis-nous un peu. Pourquoi tu ne prends pas le temps de bien éduquer ta fille, Scooby-Doo? Dis-nous un peu. Maintenant là, tu passes ton temps à insulter Karine, à la descendre sur les réseaux sociaux, soit disant que sa grossesse n'arrivera pas à terme, qu'elle est un peu à la maternité, on verra si... Tu t'attends à quoi, Scooby-Doo? Dis-nous clairement, tu veux dire quoi par là? Tu es en train de vouloir dire quoi, Scooby-Doo? Tu vois toutes les paroles que tu es en train de sortir, tout ce que tu es en train de dire là, ça n'a aucun effet dans la vie de Karine. Parce que tu n'es ni sa mère, ni sa sœur, ni rien du tout. Tu ne représentes rien pour elle. Et puis même si tu étais quelque chose pour elle, tu n'en as pas le droit. Parce que celui qui détient la vie de Karine, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ. Scooby-Doo, la première fois que tu as mangé la pizza en public, hein, quand tu as mangé la pizza devant tout le monde à la télé, Scooby-Doo, c'était grâce à Karine. Et d'ailleurs, nous nous souvenons que ça t'impressionnait. Le fait qu'on puisse t'offrir une pizza dans un restaurant, Scooby-Doo. Aujourd'hui, quelle mouche te pique? Dis-nous un peu. Qu'est-ce qui te pique pour que tu arrives jusqu'au point de commencer à insulter Karine à la descente sur les réseaux sociaux? Scooby-Doo, dis-nous un peu de toi à nous. Qu'est-ce que la pauvre fille t'a fait? Karine t'a fait quoi? Pourquoi tu t'attaques à elle? Hein? Tu vois que quand toi tu t'attaques à elle, là, ce n'est pas un problème. Mais quand les autres vont s'attaquer à toi, sincèrement, Scooby-Doo, nous te connaissons. Hein, Scooby-Doo? Maintenant, dis-nous un peu. Quand tu t'attaques à Karine, là, ce n'est pas un problème. Hein? Tu vois comment est-ce que tu n'es même pas vrai avec toi-même. Parce que chaque fois que tu t'attaques à Karine, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu as l'habitude de dire quoi? Que, oh non, la fille s'est attaquée à moi. Et on a salué de l'autre côté. C'est le langage que tu tiens souvent. Tu es là à lui faire de la morale nuit et jour. Parce que chaque fois que tu passes sur les réseaux sociaux, pour t'adresser à Karine, c'est dans le sens et dans le but de lui faire de la morale. Maintenant, Scooby-Doo, dis-nous un peu. Est-ce qu'une personne sensée, une personne qui a toutes ses facultés en place, peut sortir ce que toi, tu viens de sortir dernièrement, lors de, je ne sais pas moi, en tout cas, l'émission que tu as fait dernièrement ou tout récemment? Est-ce qu'une personne sensée peut sortir ça de sa bouche? Est-ce qu'une personne sensée peut dire ce que tu viens de dire là? Parce qu'on dit ceci, ne viens pas donner des raisons, ne viens pas avancer des arguments du style que, oh non, c'est parce qu'elle aussi, elle fait ça aux autres. Mais si tu es sage comme tu le prétends, je pense que tu dois être au-dessus de la mêlée, non, n'est-ce pas? Parce qu'une personne sage, c'est celle qui est au-dessus de la mêlée. C'est celle qui ne vient pas faire comme les autres, à ce que je sache, ou bien je me trompe. Si je me trompe, tu n'as qu'à nous le dire. Parce qu'une personne, quand elle est sage, même quand elle est devant une personne soi-disant qui n'est pas sage, cette personne prouvera toujours au monde qu'elle a en elle cette faculté de la sagesse. Elle contrôlera tout ce qui sort de sa bouche. Tu vois? Maintenant, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Maman, la maigrichonne, Scooby-Doo. Dis-nous un peu. Ce que tu fais, Scooby-Doo, 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 ce que tu fais, c'est signe de sagesse ou pas, Scooby-Doo, Scooby-Doo? Dis-nous un peu, Scooby-Doo, ce que tu fais, si c'est signe de sagesse, Scooby-Doo. Toi, tu viens, tu te permets de dire que Karina Bota Totala, Asimapé Moana, Scooby-Doo. Dis-nous un peu, ce que tu fais là, c'est quoi? Si ce n'est pas de la sorcellerie noire ou de la sorcellerie rouge, donne-nous l'appellation qu'il faut à l'acte que tu viens de poser. Donne-nous l'appellation qu'il faut aux paroles que tu viens de sortir de ta bouche. Dis-nous un peu c'est quoi. Donne-nous l'appellation qu'il faut. Peut-être que nous n'aurons pas les mots appropriés, tu vois. Peut-être que nous, on n'aura pas les mots appropriés. Hein?
pour donner le sens à ce que tu viens de dire, de ce que tu as sorti de ta bouche. Ah, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Pourquoi est-ce que deux fois devant la caméra, tu perds la pédale? Pourquoi Scooby-Doo? Ah! Dis-nous un peu, est-ce qu'à ton âge, on peut encore te rééduquer, Scooby-Doo? Toi, tu n'es plus recyclable, Scooby-Doo. Tu as déjà dépassé l'âge du recyclage. C'est impossible. Parce qu'à un certain moment, un arbre, quand tu prends déjà une certaine direction, on n'arrivera plus à le redresser. La solution, c'est de couper l'arbre. Et même quand on coupe le tronc ne pourra plus repousser. Tout ce qui peut pousser, c'est que des petites feuilles. Vas-y, comprends ce que je veux dire. Scooby-Doo, qu'est-ce qui te prend? C'est parce que tu es déjà au troisième âge. C'est pour ça que tu es en train de péter les plombs? Ou c'est parce que tu veux te faire voir sur les réseaux sociaux que tu dis ce que tu es en train de sortir par moment dans ta bouche? Dis-nous un peu, Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo, maman, c'est quoi le souci? Là, je viens juste pour te faire raisonner. Tu vois. Mais la prochaine fois, j'entrerai en confrontation avec toi. Scooby-Doo, change. Change. Change ta façon de faire les choses, Scooby-Doo. Change. Tu es une maman. Même pas une maman, tu es une arrière-grand-mère. C'est vrai que, deux fois, tu le reconnais, tu dis, oui, je suis vieille, nanani, nanana, mais oui, tu es une vieille peau. Fais aussi les choses qui correspondent à ton âge. Tu as largement dépassé l'âge de faire ce que tu es en train de faire. Scooby-Doo, dis-nous un peu, de toi à nous, celle qui a fait qu'on puisse te connaître sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Karine? Non, sincèrement, sans vouloir être prétentieuse. Je n'ai nullement en moi les intentions d'être prétentieuse. Mais de toi à nous, si quelque part, si aujourd'hui, tu es quand même demandé et tout sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que quelque part, Karine a fait un passage dans ta vie. Si Karine n'avait pas fait de passage dans ta vie, peut-être que tu n'auras pas la même notoriété que tu as aujourd'hui. Hein, Scooby-Doo? Alors, revois ta façon de faire les choses. Parce que tu es une mère. Et bizarrement, ce qui m'étonne, c'est que dans tes entrailles ont porté le chromosome. Quoi? C'est X ou Y? À toi de répondre. Tu as les deux chromosomes. Tu as eu à porter les hommes, tu as eu à porter les femmes. Mais tu as une femme. C'est quoi le chromosome Y? Dis-nous un peu. Ou le chromosome X? Maintenant, dis-nous un peu. Tu as eu à porter tes entrailles, emporter aussi une fille. Est-ce que tu es le genre de personne qui peut sortir ce genre de paroles? Tu ne penses pas au lendemain de ta fille, hein, Scooby-Doo? Non, tu ne penses pas au lendemain de ta fille. Parce que les paroles que nous sortons de nos bouches, ça s'envole dans la nature. Que personne ne te trompe, Scooby-Doo. La nature te rendra toujours tout ce que tu lui donnes. Ça, que personne ne te trompe. Si tu sors les paroles négatives, les paroles négatives envers les enfants d'autrui, envers les personnes que toi, tu n'as pas sorties de tes entrailles, Scooby-Doo, que personne ne détrompe toi, que personne ne te trompe. Maman, la nature te le rendra. Parce que c'est tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous sortons comme parole, ça va se bloquer quelque part, dans le cosmos, ça se bloque là. À un moment, la nature va te le rendre. Parce que la loi de la sémaille existe. Ça, au moins, tu le sais. Que la loi de la sémaille existe. Hein? Tout ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Si toi, tu n'es plus en mesure de concevoir pour que, entre tes mains, tu ne puisses pas garder un fruit de tes entrailles, par exemple, mais au moins même le fruit de tes entrailles, ces paroles-là vont les retrouver. Que personne ne te trompe. C'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça. Scooby-Doo, est-ce que tu penses au lendemain de ton enfant? Est-ce que tu penses au lendemain de ta fille qui sera aussi une maman qui portera les fruits dans ses entrailles? Est-ce que tu as pensé à tous ces paramètres-là? Ou tu veux juste amuser la galerie? Tu veux juste que l'Internet ricane? Tu veux juste que les gens te trouvent marrante? Dis-nous un peu. As-tu pensé à tout ça? As-tu pensé aux enjeux des paroles que tu es en train de sortir de ta bouche? As-tu pensé à ça? Que quand ça retournera vers toi, quand ça retournera dans ton camp, Scooby-Doo, as-tu pensé à ces enjeux-là? Je ne sais pas.
Parce que apparemment tu m'as l'air réfléchi. Quand tu sors certains propos, tu donnes l'air un peu réfléchi. Mais par moments, c'est comme si tu perds la pédale. C'est comme si tu perds les repères. Scooby-Doo, il revient à la raison. Parce que là, sincèrement, tu commences à perdre la boule. Sincèrement. Hein? Revois ta façon de faire les choses. Arrête d'étaler, comme on dit, une BTT, hein? La BTT sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Reviens à la raison. Revois ta façon de faire les choses. Revois ta façon de dire les choses. Tu as déjà atteint l'âge où tout ce qui doit sortir de ta bouche doivent être des paroles sensées. Des paroles qui construisent et non des paroles qui détruisent. Parce que tu as largement dépassé cet âge-là, s'il te plaît. À condition que tu en oublies et que je te le rappelle. Ouais, tu as déjà dépassé cet âge-là. Ce n'est plus de ça ne reflète plus ton âge. Non. Je suis désolée. Ça ne reflète plus ton âge, Scooby-Doo. Pour toi, pour aujourd'hui, j'en ai fini. Maintenant, Obélix, tu es un tonneau vide qui parle trop. Les baffles sont comme ça. Quand c'est pas branché, ça parle pas. Tu vois comment on t'a pas branché, Obélix? Tonneau vide, Obélix. Quand tu n'es pas branché, il n'y a pas besoin de parler. Mais dès qu'on te branche là, tu vas parler. Ça va s'entendre jusqu'à là-bas, maman Bouboule. Quand il suffit seulement qu'on te branche, tu vas crier. Toi, je t'ai déjà dit, hein, le mari d'autrui que tu as... Excusez-moi. Le mari d'autrui que tu as retenu en captivité chez toi, là. Comme les Égyptiens qui sont retenus en captivité. Et pardon, les Israélites étaient retenus en captivité chez les Égyptiens. Pardon, Obélix. Ton bruit, là. Les baffes, là. Toi, là. Si on te met même sur le mur, là. Tu vas pas... Tout le monde va t'entendre. Mais peut-être que si c'est une musique branchée, une musique de l'insanité... Tout le monde va entendre l'insanité qui sortira de là. Parce que toi, tu ne filtres pas. Le baf ne filtre jamais ce qui sort de lui. Tu vois? Parce qu'il est branché, il est télécommandé quelque part. Donc, arrête d'être une marionnette, hein, maman Bouboule. Maman Bouboule, hein, arrête d'être marionnette, s'il te plaît. Ouais, là, tu es une marionnette. Il suffit qu'on te branche pour que tu fasses du bruit. Et pourtant, ceux qui font du bruit, ce sont des tonneaux vides. Le garde autrui, sa femme est en train de dire que les enfants sont en train de souffrir là-bas. Hmm? Une personne censée commence d'abord à arranger chez toi, commence d'abord à arranger le mode de vie que tu as, s'il te plaît. Obélix, pardon. Ton bruit là, on est déjà fatigué de ça. Hmm? On est fatigué. Scooby-Doo et Obélix, pardon. La maigrichonne et la obèse, les deux. C'est un couple parfait en tout cas. Le couple parfait. Un duo parfait. Non, ça, c'est un duo. Hein. Un duo parfait. Parce que vous n'êtes pas homme et femme, donc vous êtes un duo. C'est un duo parfait. Scooby-Doo, Obélix, la maigrichonne et la bouboule. Maintenant, revenons sur le baby shower. Hmm? Vous savez que c'est biblique. Yakopé sera à nouveau venu, biloko, hein? Même dans la Bible. Ton yezouabota maki. Bamaj bakendai kotalae. Avec de l'encens et de l'or. Les mages ne faisaient pas partie de la famille de Jésus-Christ. Je suis désolée. Hein? Les mages ne faisaient pas partie de la famille de Jésus-Christ. Mais quand ils ont vu l'étoile, ils sont partis avec les présents pour présenter au roi des rois. Vous voyez, Jésus-Christ avait la nature humaine, il avait la nature divine. 100% nature humaine et 100% nature divine. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ... Quand on lui a apporté les présents, c'était un bébé. Qui avait reçu ça? C'était ses parents. Parce que c'était un bébé. Alors, pour le nouveau venu, le bébé de la baronne qui viendra, nous devons aussi contribuer pour les baby boom et le baby shower. Ce n'est pas un péché, c'est biblique. Ben, on va appeler ça bon bilok. Soki boye bakate, boye bakalilo, ben, on va appeler ça bon bilok. Pour vous qui parlez, bazo pesaye, bazo kongolambongo, yabana. Non, c'est biblique. Le problème, c'est que vous savez que Karine a des fans partout. Elle a des fans en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Mais c'est quoi, toutes ces fans-là ne peuvent pas aller le jour que, quand l'enfant viendra au monde, le jour de la naissance, c'est pas tout le monde qui aura les moyens de s'y rendre sur place. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se fait? Il y a dans la Chine des mamans qui ont été désignées par Karine pour percevoir. Hein? Oh, balobaka, bambongo, il y a ba cadeau, il y a ba bébé, bambongo, il y a ba présent, bambongo, il y a ba bienvenue. Il y a des représentantes. Ba maman, il y a la Chine. Ba Zali. Eh, hey, boke pa ba maman, il y a ba salaka.
ba cotisation bo pesi mongo kuna bo pesi pa maman Sylvie bo pesi pa maman Fashion kuna bo pesi ba mongo ya ba cotisation ya ba baby shower. Pourquoi? Parce que eza lokola bon la baronne nga na fan na yo na sepel na koya ya mwana. Je ne sais pas venir, je ne sais pas m'y rendre, je ne sais pas comment sur place. Alors, comme il y a une représentante d'Abisso, to sangisi maman on Abisso nyo soana, to pesi kuna. Ou bien pendant que Karine Azaka en live, bozo tiango, place soana y a ba commentaire, place moi y a ba dollar isali, o tiembongo wana, o komi mo y a bienvenue ya moana. Parce que moyen to y a place moana za ezate, po misusu, neti par exemple Abisso a na Congo. Peut-être que tango wana na musala ba ko accorder lengate, congé. Qu'on a que t'as la moine. Alors non ça ni, na tindiango. Soza na Europe, oza na Asie, oza musika, ya eska karinaza. Tu peux toujours co participer, co contribuer. Na bambongo ya bienvenue à moi, na ya baby shower, na ya baby boom. Donc bon mon angote que ezara biblique tété, ba mach bazara bande koye zouté. Batunyo so bakabela yezu bazara bande koye zouté. Toutes les personnes qui donnaient aux apôtres bazaki bande koye ba apôtre anati. Bango basé ba serviteur de Dieu, oui, mais la Bible dit ceci, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire même le leadership, et ça autorité, ça vient de Dieu. C'est quoi le leadership? C'est quoi l'autorité? C'est le fait d'avoir de l'emprise sur des personnes. Pas emprise dans le sens il y a quoi? Le roi il y a domination. Non, pas ne prenez pas ça dans ce sens-là. Je ne parle pas de l'emprise dans le sens à domination, mais je parle du fait que de l'emprise dans le sens que tu as une idéologie, un charisme que tu défends et les gens adhèrent dans ta vision, c'est ça, avoir de l'emprise sur Batou. Ils ont le cas là, chef y a ma parti politique. Ils ont l'emprise sur leurs partisans. Na sens ni, azana charisme na imo koboui, azana idéologie na imo koboui, alobi yango, Batou bazo adhérer na sa vision, na sa façon de voir les choses, voilà. Et la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Donc, ce qui même moutou, aza musicien, aza artiste, Aza ministre, Aza président, Aza roi, Aza reine. Aza exercer une certaine. A quoi qu'il draine ma foule derrière, yé. Cette personne, Aza n'a autorité, moko quelconque. C'est-à-dire, ayez pas embatté. Ce n'est pas au hasard que ça a été fait. C'est depuis, ça a été scellé. Depuis la création. Voilà. Dans le destin de Dieu. Et salama qui que. Moutouana a kobanda ko drainer ba foule. Et ça, le quoi, Karine Mokonzi la baronne, aza leader, il y a communauté, il y a la Chine. C'est déjà un leader. Aza leader. Karine est une leader. Karine draine des foules derrière elle. Sauf que Mundele le loi, ça là que, liboso bat foule les aindeni, tozaka na kongo biso na biso to sangani. Mais aujourd'hui, Mundele, ça là que, par le canal, il y a des réseaux sociaux, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, quelle que soit la géolocalisation, bokoki ko ça là, une seule beaucoup qui former une seule communauté. Et ça le la Karine a formé communauté né il y a la Chine, a formé communauté né il y a chez Mokonzi officiel. Voilà, c'est sans ça sa communauté, elle draine bazo adhérer na sa vision, sa façon de faire les choses parce qu'elle est influenceuse. Voilà, et ça bongo. Donc totika bilo msusu ya kokamo a été, c'est biblique, copé ça isa biblique. Voilà, copé c'est dramabété. Moutoua constaté que copé c'est raka non. Copé c'est zara biblique. La Bible nous recommande y'a copé ça. Ok, copé c'est leader, nous y'a dramabété. Et dramabété. Sopé c'est leader, tu ne pêches pas. Et dramabété. Aza chef d'opinion. Et dramabété. Et dramabété pourquoi? Pourquoi qu'on l'obé la yango? Pourquoi qu'on fait un drame? Pourquoi qu'on fait un problème? Donc, des messages n'a qui n'a pas. Et puis, pour nous rappeler sur le. Les adhésions, toujours, tout continuer à s'adhérer, s'il vous plaît. Si vous avez un accueil, la chaîne est chez mon compte officiel, bon adhérer. S'il vous plaît, au moins, vous pouvez rejoindre, cliquez wana. Adhérer la chaîne. Adhérer la chaîne, au moins, chez mon compte officiel. Au point de vue d'adhésion, il y a un point de adhésion, il y a. Et en plus de cela, il faut occuper, copier sa rabamon en ligne pendant que Karine est en live. Occupez sa main en ligne. Bobo, ça n'a qu'à liker l'émission. Et ça a d'une grande importance. Et de capon à l'algorithme à YouTube. Bon, partage à capé. Le partage sert à quoi? Le partage sert à agrandir la communauté. La communauté qui est la Chine, la communauté qui est chez mon compte officiel. Parce qu'avec le partage, ba abonné, ba yaka.
et la communauté chez mon compte officiel et aux s'agrandir parce que bah oba sabona ka même sous bana bamba chinoise mais assez pé la canal façon na chez mon compte officiel bah ça est là bah live na ba émission azo faire partir la communauté ya chez mon compte officiel. Hormis cela bota la bien à bas écran bon au moins on a place mon corps like après le like il y a le dislike après le dislike il y a le partage je crois après le partage il y a place il y a chat après le chat il y a le cœur c'est les thanks le remerciement c'est pourquoi que après chaque émission au fini wana au tchè quelque chose et ça de quoi pour boire parce que bah vidéo et ça ce sont des services qu'on nous offrons alors tant au kenda katana bah restaurant on peut ça bah pour boire et ça de quoi bah pour boire. Donc, pour le reste, ceux qui osent abonner à chez mon compte officiel, au Korate, baby boom, au Korate, baby show, parce qu'il y a tout royo. Il y a tout royo. Et qu'on a vraiment dans ma life privée. Ma télé-réalité, et qu'on a dans ma life privée. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de Scooby-Doo. Il y a un peu de temps, troisième âge. Il y a un Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Maman me grichonne cola. Maman bouboule. Maman baffle. Les tonneaux vides, ce sont ceux qui font le bruit. Moi, ah bah branché au témoin, le bézate. Yope cola. Cola, pardon. Tika Karine tranquille. Cola. Et si t'as l'imbibino kindokinabino. Oh bino. Oh isabino. Oh scobido. Oh maman bouboule. Merci à vous qui m'avez suivi, chers abonnés de chez Mokonzi officiel. Merci à toute la Chine. Merci à Karine Mokonzi, la baronne. Maman YouTube. Oui, c'est elle qui dicte sur YouTube, qui dicte les lois. Merci. Na papa Viki Kouli, Moté Maya, Karine Mokonzi la baronne, na sali ba big dédicace. Na maman, maman Henriette, la belle-mère de Karine, maman Charlotte, la maman de Karine, Coco Sampo, la grand-mère à Karine. Ba big dédicace na nga na Francis Miyate, c'est lui qui a la coordination depuis le Canada. Il y a un coordonnateur chez Mokonzi officiel. Ba remerciement na nga na fils à moi na. Na molinga mi malamu bagonde ba gérer le personnel ya chez mon compte officiel Nazali ko sala un coucou à Xbox Doudou depuis la Suisse ba bisou na obisko kutami na Suisse papa ya Biuma na Gloria ba mbote na nga ba big dédicace na nga na Tony Guerin mon ami mon pote de tous les temps de tous les jours ba big dédicace na nga na Mang Piana na Daniel Bangou sans oublier batu oyo ba soutenir na ba émission tozali bango très reconnaissante tozali na gratitude makasi envers bango donc bato bazo soutenir ba émission merci na bino la liste ezali na fils atindela kinga attendez bolimbisa c'est il faut lire ba big dédicace na bango na ba remerciement ya makasi s'il vous plaît bato ba soutenir ka ba émission na biso na chez mon compte officiel baza d'une grande importance donc tokoki ko zanga jamais ko remercier bango maman Mariam maman mamie Sola merci na yo maman Angelos poupée noire na Londres merci na yo Jordi et Sam maman Cécé Mokonzi ma patience ma Florence Souriamana Karine Mbala Soleil Levant, Barbarie Tamoukoulou, Keliane, Molinga Mimalamu, Odette Muziki, na Papa King. Bah merci Nabino et Bélé parce que vous soutenez toujours l'émission et les Kanaché Mokonzi. Na sali ba big dédicace na Raphaël Badian Bilé, le grand manager, le grand banquier, le grand financier depuis Libreville, Gabon, na Estefo. Ba big dédicace na Gloria Badian Bilé, ba big dédicace na Obisko Koutami. Oya Zara toujours na pointe Beka, le grand caméraman, le grand réalisateur. Azali na montage, na caméra, pe na réalisation Beka. Pour na ba contact numéro ne Zakawana, bon mon akango na début émission, na fin émission. Bato baza bandeko na poto bongi ba réalisation a bien ba fête, ba retrait de deuil, ba manifestation ya sorte tout. Bon contacter Beka, Beka yewana na sima Belogne, Beka, le grand caméraman Beka, bah remerciement non. Na koki kobo sanate ya nga ya mote ma ya de tous les temps de tous les jours, mon collègue ya. Ah ouais, chez mon compte officiel. Badi Bangi, wana collègue na nga ya chez mon compte officiel, yende soldat, to zarane toujours en affront, to télémakane toujours, to part, to za toujours wana, pour na ko défendre la baronne, soki batou wana ba yebi sope to wando ya. Po to lobi to tika baron sou tante, po bako mo leki sa. Ce qui baillé bisopetoyé qui kazala tokoya lelo toyela kibino Scooby-Doo na Obélix. Quant à moi Juju, je vous retrouve très bientôt kaka awana chez mon compte officiel pour na ba nouvel élément par la grâce du Dieu tout-puissant le créateur du ciel et de la terre tokokuta na d'ici là
Bye bye. S'abonner du surtout chez mon compte officiel pour vous avez information de l'eau sur la baronne de la baronne Nayeli Soussou Tokobunda Nanzotote Big up fire pour mon bon fire à Karim Mokonzi c'est juste un big up Karim Mokonzi la baronne. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokonzi officiel.